Jérôme, Montauban vient de s'imposer contre le CSBJ 51 à 7 pour votre équipe, votre nouvelle équipe de Montauban. C'était une soirée parfaite. Oui, on est passé complètement au travers du premier bloc. On a gagné nos matchs à domicile, mais on montrait rien du tout à l'extérieur. Et là, ce soir, on avait pour objectif de gagner le match et après de produire beaucoup de jeux. On a réussi à le faire, on a réussi à pas mal scorer sur nos temps forts. Et voilà, maintenant, il faut concrétiser ce beau match par le déplacement à Oyonnax la semaine prochaine. C'est vrai que vous avez joué complètement libéré, vous avez écarté beaucoup de ballons, mis du rythme à la partie, alors qu'on aurait pu penser que vous auriez été sous pression vu le contexte que vous avez expliqué. Après, oui, voilà, on sortait d'une déconvenue à Angoulême, on repart avec 0 points. Voilà, c'est sûr qu'on avait peut-être un petit peu de pression sur les épaules avec cette réception de Bourgoin, mais voilà, on a réussi à mettre notre jeu en place et ça nous a souri, et tant mieux. Vous connaissiez bien l'équipe en face, c'est Bergerlien avec qui vous avez joué 2 ans. Vous avez dû être surpris qu'il vous facilite un peu la tâche comme ça, avec une défense assez absente. Non, mais moi j'ai passé deux superbes années à Bourgoin. J'ai des très bons amis là-bas. Je sais que c'est une équipe qui va rien lâcher jusqu'au bout. Donc voilà, j'avais dit à mes coéquipiers qu'il fallait qu'on impose notre rythme et qu'on marque sur nos temps forts. Et voilà, je pense que ce qui leur a fait mal, c'est qu'on marque d'entrée de deuxième mi-temps. Et après, bon, voilà, c'est toujours plus facile d'envoyer du jeu quand on a le score en main. En tout cas, pour vos retrouvailles avec les Ciel et Grenats, vous ne leur avez pas fait de cadeau. Vous avez fait un grand match, 26 points, je crois, un essai, tout mis au pied du grand Jérôme Bosuel. Je ne sais pas si c'est du grand Jérôme Bosuet, il y a beaucoup de lacunes encore à améliorer, mais voilà, je sais, je leur souhaite une bonne saison et je leur donne rendez-vous au match retour à Rajon.